Georges, merci. Donc, les organisateurs m'avoir invité à vous parler de l'optimisation du diagnostic endoscopique du nodule périphérique. Donc voilà mes conflits d'intérêts. On a entendu le patient directement au chirurgien avec l'application, c'est-à-dire que on va juste reconstruire la bronchoscopie virtuelle et se mémoriser le trajet comme le fait le skieur avant de faire sa piste, ou bien avec navigation, c'est-à-dire en synchronisant la bronchoscopie et la bronchoscopie virtuelle. Et puis il y a l'électronavigation magnétique. Alors, il existe tout un tas de... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous ceux qui sont là cet après-midi, bien que ce soit dimanche après-midi et qu'il fasse un temps super. Des manifestations différentes et on va avoir le maximum de gravité, de fréquence d'hospitalisation, de fréquence de recours aux urgences ou en réanimation quand on est... Vous parlez moi, des formes chroniques de PHS et le plan va être le suivant. Alors, formes aiguës et inflammatoires, donc les formes aiguës le plus... Alors là, on a eu trois papiers dans la JRCCM, septembre, octobre, novembre. Et trois papiers sur des algorithmes diagnostiques sur des PHS. Donc vous avez ici un papier sur des PHS chroniques. C'est pas très lisible, mais je vais pas vous le détailler. Il y a deux choses qu'il faut retenir. D'abord, dans ce papier, les PHS chroniques ne sont pas toutes des fibroses. Il y a des formes non fibrosantes. Donc vous voyez, il y a des... Bonjour à tous pour venir à cette session qui est une des toutes premières du congrès, donc on sait que c'est toujours un petit peu difficile. Juste ma diapositive de conflit d'intérêt où il y a la place du pneumologue le plus souvent en réanimation. Est-ce que faire un diagnostic étiologique précis justement sur ces... Si on regarde les étiologies avec, vous voyez, les facteurs de risque classique du SDRA, ben vous voyez qu'on retrouve un petit peu les catégories que je vous ai montrées tout à l'heure dans le tableau. On voit que c'est quand même très largement écrasé. Alors, je vais vous parler des corps étrangers de l'adulte et de l'enfant. Pour de l'exposer, est essentiellement végétal et c'est le plus dangereux. Vous voyez qu'il est végétal chez l'enfant de moins de 5 ans et que chez l'enfant plus âgé, ça va être plutôt des morceaux de plastique, des jouets, des trucs comme ça. Le corps étranger végétal est très très mal toléré. Les haricots secs, il peut y avoir une expansion à l'humidité et c'est surtout les cacahuètes qui entraînent une inflammation locale, un œdème, des granulomes. Bonjour, merci de m'avoir invité sur la fonction respiratoire. Et c'est une première notion qui est importante, c'est que c'est une disparition, une négativation des ECBC. On n'a pas forcément de certitude qu'ils disparaissent au niveau respiratoire. On parle d'une éradication quand il est après un traitement donné. Dans la mucoviscidose, c'est assez rare qu'il y ait d'éradication spontanée. J'ai pas trouvé beaucoup de papiers dans les dilatations des bronches, mais c'est probablement plus fréquent. Mais il manque des corps. Thank you.
Bonjour, donc je me présente, je suis Maëva Zisman et je travaille à l'hôpital Henri Mondor et je vais vous parler aujourd'hui des prises en charge de ces exacerbations doivent être faites dans la mesure du patient par des épreuves fonctionnelles respiratoires régulières est également indispensable pour bien suivre l'éventuel déclin rapide de son VEMS. Concernant la prise des médicaments inhalés, vous voyez ici sur cette diapositive Les stades 3 représentent un groupe très hétérogène de patients. Comme vous le savez, ça va de patients N2 potentiellement associés à la radiothérapie. Il faut faire d'abord la distinction entre la chimiothérapie que l'on utilise classiquement à dose cytotoxique en même temps que la Bonjour à tous, je suis le professeur Arnaud Cherperel de la pneumologie au CHU Lille et je vais donc vous proposer un point en 2018. Le pronostic des atteintes secondaires pour aller au-delà, recueillir un prélèvement histologique, donc des biopsies, pour affirmer le diagnostic de pleurésie maligne liée à ce cancer. Si cela n'est pas absolument nécessaire, on peut parfois débuter directement le traitement, que ce soit le traitement symptomatique de la pleurésie maligne, et également adapter le traitement de fond de ce cancer. Si en revanche il n'y a pas